Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog, le dernier vlog d'ailleurs de l'année. Ça fait hyper bizarre, c'est passé super vite. Bref, du coup aujourd'hui c'est le réveillon de Noël et ce soir on va du coup faire un apéro dînatoire chez d'autres personnes. Donc là je suis dans la famille de Pierre-Alain et après on ira manger une brioche et un chocolat chaud ce soir, donc ça va être très sympathique. Et c'est demain matin qu'on ouvre les cadeaux et après on se fera le fameux bon repas où on va beaucoup manger. Et c'est hyper cool, du coup on essaye, on est deux en fait à pas trop manger de viande dans cette partie de la famille, me comptant moi aussi du coup. Et du coup on s'est motivé pour faire des petites recettes végétariennes, donc on essaye de faire un faux gras, donc foie gras mais végétarien. Et on va se faire un petit risotto au bleu d'Auvergne et aux champignons, au tofu grillé, bref. Un petit truc un peu sympa, donc du coup ça va être différent et j'ai hâte de voir ce que va donner nos petits plats, ça va être cool. Mais bon bref, en attendant, on va pas tarder à partir, du coup on va aller là-bas. Just you and me.
lundi 31 et du coup, bah, c'est le dernier jour de toute cette année de vlog. C'est incroyable à quel point c'est allé vite. J'ai commencé du coup à faire le tri dans tous mes rushs de cette année pour faire donc la vidéo One Second Day qui est à la base ce qui m'a motivée pour faire ces weekly vlogs. Mais du coup je regarde tous mes vlogs dans l'ordre pour du coup à chaque fois sélectionner l'image qui représente le mieux la journée. Et le fait de tout regarder dans l'ordre et revivre du coup des moments, je trouve que la vidéo pour ça, encore plus qu'une photo, c'est génial parce que t'arrives vraiment à ressentir l'humeur, enfin moi je le ressens parce que c'est moi qui l'ai vécu et c'est moi qui ai pris les images, mais j'arrive à retrouver un petit peu l'atmosphère qu'il y avait au moment où j'ai pris les images et ça je trouve ça mais absolument génial. Essayez de le faire, faites des petits clips d'une journée, gardez-les pour vous et à la fin faites-vous un petit montage cumulé d'une seconde par jour et enfin vraiment c'est un truc que je vous conseille parce que ça vous donne une autre approche de votre année. En un sens j'avais presque envie de continuer ce concept de weekly vlog sur du coup l'année prochaine mais du coup je ne le ferai pas. Bref, il y a une vidéo qui va sortir du coup pour vous la semaine prochaine donc sur cette chaîne qui parlera donc de l'avenir de cette chaîne, le fait que les vlogs s'arrêtent mais que ça veut pas dire que tout s'arrête non plus. Donc voilà, j'en parle plus en détail dans cette vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Bref, voilà. Et du coup, on fête le nouvel an ce soir chez des amis, ça va être trop cool et je vous retrouve là-bas ce soir très certainement. Bonne année 2019, ça y est, on a fait du coup le réveillon du nouvel an hier et on est donc le 1er janvier et voilà, bah du coup je vous avais expliqué hier que du coup j'arrêtais les weekly vlogs pour cette année, que j'étais très contente d'avoir fait une année complète mais que en tout cas ce concept là s'arrêtait pour cette année. Mais voilà, ça va me permettre de travailler sur d'autres projets, des trucs un petit peu différents et que je puisse me concentrer un petit peu plus sur l'écriture et la préparation et aussi me laisser un peu plus de temps pour la post-prod, faire des petits dessins, des trucs comme ça, que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc voilà, ça sera de nouvelles créations et de nouvelles vidéos. Parenthèse lessive, du coup j'ai fait ma lessive, j'ai terminé ma lessive maison ce matin, du coup je l'ai pas encore utilisée, c'était en deux étapes et il y avait la seconde étape où je devais remixer mon morceau solide du coup avec un litre d'eau et du coup ça fait un truc un peu onctueux comme de la vraie lessive, donc voilà, c'est plutôt bien parti pour cette lessive maison, j'espère que ça va sentir bon. Voilà pour cette parenthèse lessive. En tout cas, si vous êtes là depuis le début et même si vous êtes arrivé en cours de route, merci beaucoup d'avoir regardé ces vlogs. Ça me fait vraiment plaisir de voilà que ça plaise. J'ai eu des bons retours à leur sujet, donc j'en suis très contente. Et merci beaucoup d'avoir regardé. C'est vraiment, ça me fait très plaisir. Et voilà. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci encore d'avoir regardé mes vlogs.